Face avec situation d'incertitude qui planait sous tête conseil présidentiel là, face avec absence yon président, yon premier ministre dans tête pays là, face avec vide qui constaté dans palais national depuis plusieurs temps, face avec ça qui semblait tête coupée avec yon coup d'état de bandio dans pays d'Haïti, tadoué yon proclamation qui fait dans tête pays là. Ça veut dire tadoué gagné yon chef qui passait en force qui proclamait tête li président de la République. En tout cas, c'est pas opinion par nous seulement, c'est ça que Evans Paul tout lui-même li pensé. Et puis nous venons dans émission ça, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre brillant déclaration ça yo, brillant réflexion ça yo de Evans Paul, ancien premier ministre de la République qui croit que conseil présidentiel là n'a pas dirigé nous tout droit là, sinon installé vers plus crise dans le pays d'Haïti. Mais dans la proclamation, ça, qui est-ce qui t'a loué? Président, qui est-ce qui t'a loué? Feli, est-ce que c'est chef là, mais général Jodel Le Sage, qui t'a loué pour tête pays? Est-ce que c'est chef là, police là, Franz Elbeck, qui t'a loué pour tête pays? Est-ce que c'est président de la Cour de cassation, qui t'a loué pour tête pays? Est-ce que c'est secrétaire général Palais National? Est-ce que c'est moun qui a commandé force, qui a dirigé USGPN en force qui a bail parler à sécurité yo? En tout cas, gros point d'interrogation. Mais c'est ça qui t'a doué fait, mesdames et messieurs. Et Evans Paul pour l'expliquer pour qui ça. Pidouva. Yon responsable dans parti politique Petite Dessalines déclaré que Moïse Jean-Charles pas doué prendre la parole dans non Petite Dessalines jusqu'à nouvel ordre. Il pas doué prendre décision sous non parti politique ça jusqu'à ce que yon arrive fait yon gros rassemblé général. Rete branché, nous allons venir avec plus de détails. Ta le konsa. Est-ce que décision ça a li gen poids, li pesé dans balance là? Est-ce que secrétaire général, figure emblématique, parti politique, Petite Dessalines, leader dans parti a? Rete branché. Nous allons venir avec tout plus de détails sur qui jan négociation avancé, qui jan processus là a avancé dans le conseil présidentiel là. C'est pour ça avec quelques autres qui pourra le faire essentiel. Premier sortie de Noël pour aujourd'hui d'entrée de jeu. N'a pas souhaité passer un bon lundi. Aujourd'hui c'est lundi 25 mars 2024. En notre compagnie, n'a pas dit faites ça que toujours aimé faire, quittez un like dans la vidéo, ça commenter, partager. Et des vidéos arrivent avec plus passer 1000 likes, quittez you know, plusieurs commentaires et puis partager tout autant que vous êtes capable de faire ça. Sans plus tarder, n'a pas directement dans le développement information, nous partons. N'a pas commencé avec information ça, mesdames et messieurs, Guimpe Amos Georges, qui lui-même se porte-parole avec responsable éthique en plateforme parti politique Petite Dessalines. Li prend décision pour mettre sous ban secrétaire général parti politique Petite Dessalines Moïse Jean-Charles, parce que selon lui-même, leader ça, li pas doit prendre décision unilatérale que li prend dans non parti a, leader a commettre yon erreur grave. Et bien là, mesdames et messieurs, selon Père Amos Georges, Moïse Jean-Charles pas gain droit prendre la parole nan non parti a, ni prendre décision nan non parti a jusqu'à ce que yo fait une convention, jusqu'à ce que yo fait un gros rassemblement. Il y a pile monde qui croit que décision ça pas gain pièce fausse, puisque Moïse Jean-Charles c'est figure emblématique parti politique là. Moïse Jean-Charles fait secrétaire général parti a, et Père Amos Georges t'assemblé, mesdames et messieurs, pas ta gagné légitimité pour lui prendre une décision comme ça de manière unilatérale. En tout cas, après des tonnes et réaction Moïse Jean-Charles et l'autre réaction qui a sorti après décision ça. Dans l'autre nouvelle, mesdames et messieurs, il y a encore Montana qui dénonce menace de mort et puis propos sexistes qui fait contre madame Dominique Dupuis qui poussait là à quitter conseil présidentiel là. Dans l'autre que il a publié jeudi lundi a gagné bureau suivi encore Montana qui croyait que yon seule entité pas capable de résoudre crise ça que pays d'Haïti a connu. Yo pote soutien au bail madame Dupuis pendant que y a dénoncé détracteurs. Yon a rappelé que depuis désignation madame Dominique Dupuis, il était fait l'objet de menaces de toutes sortes par une pièce organisation féminine qui était levé yon ti douette contre attaque sa yo que madame nan l'étape subi jusqu'à ce qu'il était obligé lague pied. Yon l'autre part dans l'autre nouvelle, mesdames et messieurs, qui j'en savent avancer non en dans accord là, qui est-ce qui pourra remplacer madame Dominique Dupuis? Et mais désormais c'est ambassadeur Smith Augustin
qui c'est nouveau représentant Red aidé avec un compromis historique en dans conseil présidentiel là non lettre yo fait arriver joindre CARICOM hier dimanche là yo confirmé choix ça monsieur Sarah, monsieur Smith Augustin il est un doctorant en sociologie il est un spécialiste dans des enjeux politiques et sociaux dans l'Amérique latine et il était ambassadeur pays d'Haïti en République dominicaine sorti 2020 pour arriver 2022. Entre-temps, zami internautes gagné une stagnation dans processus qui t'a droué mené avec installation conseil présidentiel là alors que crise là dans le pays d'Haïti sur le plan politique l'a aggravé acteur qui impliqué pour t'a mettre en place conseil ça a continué à gommer entre eux désormais c'est sous question qui est ce qui pour le président conseil présidentiel là qui gagné pigo gommer en dans conseil là. Personne n'a pas prêt pour faire concession ou tout vle président. Même moun qui est allé dans le conseil là comme observateur, jodi a oublié à qui titre est allé et ou vle faire un droit de vote. Eh bien, mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée, gagné en pile, chirépite dans le conseil présidentiel, ça, qui semblait un conseil présidentiel capable de diriger le pays là tout droit vers une crise qui est plus profonde. Et c'est ça tout, yon moun en tant qu'ancien premier ministre Evans Paul. Quoi, mesdames et messieurs, Evans Paul, ou capable de reprocher lui de n'importe bagay, mais c'est yon politicien qui est actuellement plus modéré dans le pays d'Haïti. Et c'est yon politicien qui fait des réflexions, qui toujours fait des commentaires, qui vraiment équilibré. Par exemple, déclaration ça yon que Evans Paul fait jodia, que tout haïtien t'a retendu. On nous suit, on a tourné. Bon, chaque situation c'est yon, c'est sûr que ça extrêmement grave. Mais dans l'histoire, nous toujours gagnons. Kachouboumbe, nous te vivre période 3 ans coup d'état, c'était l'armée qui t'a simaillé la terre, etc. Et bon, là, c'était frappe. Et puis loin dans l'histoire, c'est un phénomène zinglin ou bien kako, qui fait à travers l'histoire, pour mon captain des jeunes, yo captain des, nous toujours gagnons une bonne situation difficile, situation violente, situation de grimpe gauche. Et c'est dans créer problème entre nous qui expliquait notre gagné 19 ans d'occupation américaine de 1915 à 1934. Et nous pourrions recommencer encore, qui fait les Américains pourraient retourner encore en 1994. Et nous pourrions retourner encore en 2004. Et je dis à nous fatiguer avec nous, nous demandons de venir occuper nous. Allô? Allô, allô? Oui, vous là, monsieur Paul. Oui, moi là. Oui, moi là. Vous n'y a là, ou même ou c'est un acteur et dans l'histoire, sorti dans Evans Paul qui était milité, qui est dirigeant de parti, qui devine premier ministre, vous n'y a engagé conjoncture là avec un jeu de politique. Donc, entre un premier ministre qui dit le démissionner, mais qui pas dans pays a pas gagne monde qui conn côté lié a un processus qui t'a doué abouti à un conseil présidentiel jusqu'à présent qui dans l'impasse qui ça ou même ou fait comme lecture là m'a parlé avec politique là m'a parlé avec dirigeant politique là bon nous non situation alors son mot payol il utilise le tout en créole galimatia rien pas clair toute bagaille tête en bas confusion. Si nous avons dit en créole et en français, parce que première question pour poser, qui statue M. Ariel Henry? Et est-ce que les premiers ministres en exil, est-ce que son premier ministre destitué, ou bien est-ce que son premier ministre renversé par un coup d'État? C'est question pour ta poser. Et maintenant, s'il est renversé par un coup d'État, qui est-ce qui fait coup d'État? Et qui l'autre monde qui a assumé coup d'État. Alors toute la question maintenant, c'est autour de l'État. Excusez, c'est ça que fait. Chaque fois que nous sommes en crise là, il faut référer à un débat, professeur Sauveur Pierre-Étienne, qu'on a lancé tout, on a parlé de crise sociétale, qui plus que crise sociétale, c'est toute bagaille nette qui gagne dans nous à tous les niveaux. Qu'on prend au niveau politique ou prend au niveau de société, tout le monde dit politique n'est pas bon.
C'est vrai, il n'y a pas de résultat. Mais côté politique, il y a sorti, c'est en dans société. C'est société qui produit le monde qui fait politique, c'est le produit le monde qui est dans les affaires, c'est le produit le monde qui est dans l'église, c'est le produit le monde qui est dans la presse. Alors, gros problème de matrice pays qui est société. Et si nous ne résoudre le problème à la base, nous avons toujours produit mauvais monde, il n'y a pas de mauvais résultats. Parce que je dis, il y a un problème nous en Haïti. Ce n'est pas l'autre pays qui a gommé avec Haïtien. C'est Haïtien encore qui crée des problèmes contre Haïtien pareil. Qui ban nous trois problèmes marassa. Qui c'est la précarité, qui c'est le problème majeur. Et la précarité a libéral engendré un problème qui est l'insécurité que tout le monde salue dans le pays d'Haïti. Et nous avons une ambiance chronique. Instabilité. Instabilité, elle n'est pas même chita dans la durée. On est capable de prendre exemple. Tu as une période 29 ans dans la dictature. Tu as un gouvernement qui est là pendant 29 ans. Mais ça ne veut pas dire que tu as une stabilité. Parce que stabilité, elle veut dire quiétude, elle veut dire progrès économique, elle veut dire tranquillité pour mon travail. Mais là, pas de tranquillité. Soit on a la paix, soit pas comme ça qui va passer demain. Soit c'est gouvernement qui a attaqué ou bien soit c'est bandit qui a attaqué ou, et bien c'est même pareillement, et c'est ça que pour nous, résultat, Haïti, son pays qui sous la grappe. Et je dis, le problème pour nous poser, c'est le problème de l'État haïtien. Nous avons l'État, en français, nous avons dit effondré, mais en créole, c'est l'État qui est déconstombré. Et au niveau international, il n'y a pas pris nos points, il a dégradé nous. Si nous avons gardé, pardon, à un moment déterminé, le dossier haïtien était traité par les Nations Unies, qui sont organisations internationales. Pardon. Un peu plus tard, il vient traité par l'OEA, qui sont organisations régionales. On a eu dégradé, nous avons eu CARICOM, qui sont organisations sous-régionales. Et puis nous d'accord, nous ne pouvons pas faire aucun effort entre nous, nous ne chercher à dialoguer entre nous. De temps en temps, nous cherchons un abysse, nous d'accord, un abysse, qui ne pas comprendre le problème, non? Qui prend une décision d'écrire une gauche qui n'est pas cadrée à la réalité. Ok. PPM Evans Paul, qu'on y a là, nous, jeudi, dans un processus qui t'a doué abouti à un conseil présidentiel, même si jusqu'à présent, par rapport à tout ça, il y a comme évolution, comme rebondissement. Son conseil qui est dans l'impasse, son conseil dont l'installation est très hypothétique. Donc, ou même, comme ancien Premier ministre, toujours comme dirigeant politique, est-ce que vous pensez que la formule CPA est capable de te fuir? Autrement dit, est-ce que c'est la meilleure formule que nous devons appliquer? Là, je parle de surtout parti pour nous qui est dans la discussion à CARICOM, par rapport à ce qui est là comme situation, comme réalité. Il y a plusieurs problèmes qui posent dans la question du conseil présidentiel. La première question que nous posons, qui est le monde qui va nommer le conseil présidentiel? Parce que nous avons dit que nous allons faire un moniteur publier un décret. Qui est le monde qui va signer un décret ça? Des ministres. Comment commander des ministres pour nommer le monde qui est au placé passé? Qui est-ce que nous avons de ça passer? Que ou même ou son employé Radio Caraïbes, c'est ou quoi nommé PDG Radio Caraïbes là. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand même, Gomba a écrit les procédures. L'on parle d'un pays, il y a plusieurs approches pour considérer. Il y a bien sûr approche politique. Mais quelle que soit l'approche politique qui pas chita sous des procédures juridiques qui claires, il vient anarchie. Comment un conseil, comment des ministres peuvent nommer des présidents ou un président? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qui livre ou lit ça? Je ne suis pas un juriste, mais l'on est politique. Il faut avoir une certaine connaissance transversale. Et il y a des choses tout, c'est logique. Il y a un bon jeune qui a attendu, un bon jeune qui a l'école. Comment? Je ne peux pas comprendre comment ça. C'est le même problème ça que tu as toujours posé. L'on a demandé le PM Henry pour lui. Nommer président. Bon, comment un premier ministre peut nommer un président? Quel que soit l'agent prenne, constitution par la provision pour ça, même tu es capable de dire le bon sens, il y a un problème comment nommer ce conseil présidentiel. Maintenant,
si nous d'accord pour un coup d'État qui fait, nous capables de procéder par une proclamation. Une proclamation, les mettez sous côté constitution, mettant un grand groupe qui dit nous proclamons 1, 2, 3, 4, pour telle raison. Et là, ça ne va pas la constitution du tout. Mais si nous proposons, nous pourrons le faire dans le journal Moniteur, et bien nous pourrons tomber dans l'illégalité, ou capable même faire une élection et mettre en question. Il y aura mettre en question l'autorité de ce conseil et présidentiel pour des raisons de procédure, parce qu'ils ont l'État quand même géré en fonction de procédures déterminées par la Constitution ou même par la réelle politique. Parce que là, nous tombons dans l'improvisation totale et nous ne pouvons pas prendre ces CARICOM qui vous décidez pour nous, procédures qui vient pour nous résoudre le problème politique là, quand même. Selon vous-même, qui t'a donné une approche là? Je pense que c'est une proclamation qui doit faire, étant donné nos crises. Bon proclamation, si on fait une proclamation, ça veut dire que il a assumé un coup d'État qui fait, parce que quand même une sorte de coup d'État qui fait. Monsieur Henri parti là dans la mission, il a fermé le dehors. Son coup d'État. Quel que soit Jean Rélil, son coup d'État. Quel que soit sorti grave. Parce que c'est la faiblesse de l'État. Quel que soit sorti reproché, monsieur Ariel Henry. Bon, il faut des formules. Ou t'es qu'à mettre la tête souvelée. Ou t'es qu'à prendre une proclamation dans le pays. Ou révoquer lui. Mais si c'est sorti, il sorti. Yo ferme le dehors. Et là, yo ferme le dehors, yo bloqué. On est capable de circulation entre pays à l'autre pays. Fait peuple payer conséquences sales. Bref, pas fait. Yo bandit attaque à l'aéroport. Prison attaqué. Yon bande d'événements qui m'a connu. Yon a l'autre. Suite au déplacement du père Ariel Henry qui vient tourner l'exil du père Ariel Henry. Maintenant, politiquement, nous pas dit M. Henry était performant. Font un seulement pour dire ça. Mais maintenant, façon de destituer, façon de fermer le dehors, façon de renverser là, ce n'est pas une formule démocratique non plus. Et ce n'est pas comme ça qu'on a résolu. Ce n'est pas comme ça qu'on a le pays d'Haïti. Parce que là, nous avons l'État qui est sous la grappe. En français, on dit effondré. En créole, on a dit déconstombré. Et puis, gros mission, nous, que je veux dire, c'est rétablir l'autorité de l'État. Et M. Préval a dit ça depuis 1996. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Et depuis 1804, la bataille pour nous, c'est la mettre campé l'État. Bien sûr, nous font pays sous force point. Nous combattons l'esclavage, c'est vrai. Mais nous toujours dans la bataille pour nous constituer l'État. Premier chef de l'État, nous tous. Et depuis l'ESA, c'est dans le brigandage qui a géré l'État. Et je dis que c'est dans le brigandage là, nous y est là même. En étant de laisser frapper gagner pour faire un conseil présidentiel. Pour si on laisse frapper ça pour former un conseil là, comment on pourrait le marché? La politique, la démocratie, gérée par délégation. C'est comme si Haïti vient dans un gros pays, un seul monde dans la présidence, c'est 7 à 9 monde qui pour la présidence pays. Nous mettons complications pire. On peut y avoir urgence, pas qu'être un grand groupe, pas qu'être un déplacé. Chaque décision, chaque communiqué qui pourra le prendre, il faut gagner 9 personnes qui sont d'accord, bien que pas d'accord. Mais mes amis, si nous avons des bagages, ce n'est pas logique. Et puis toute expérience nous gagnons de référence de gouvernement collégial, on a le constat. 1956, c'était un gouvernement collégial qui était 13 personnes là-dedans. Et bien, il n'y a pas fait un mois. En 1986, nous passons, on a une bonne expérience qui était le CNG, qui était commencé par 6 personnes, qui vient tourner 3, etc. Mais il a gagné une différence fondamentale. Il était dirigé par un chef de l'armée, qui était l'élément principal. Et l'armée, à ce moment-là, il était dans tout le pays, il était existé à travers le pays, c'était la force. Je dis à nous n'avons aucune référence. C'est ça qui fait notre vie rond, un tantôt international. Et puis, si on parle de l'international, quel est le rôle principal de l'international dans la crise? Il y a un rôle de l'international dans la crise. Deux, il y en a dans les ingérences. Ingérence là, il fait que Haïtien propose Timounio. Et puis, yo by Lord, et puis combat gagné a passé bien, c'est yo, on le passe mal, c'est haïtien.
Mais au-delà de ça, le gros problème nous aujourd'hui, hein, c'est le problème d'insécurité. Ça qui fait insécurité, ZAM. Est-ce que Haïti fait ZAM? Non. Qui côté ZAM yo sorti, qui côté yo passé? Premier concours pour international là pour nous. Première négociation pour nous faire, c'est négociation pour bloquer route côté ZAM sorti. Qui moun qui importe ZAM? Qui moun qui exporte ZAM vers Haïti? Je pense que le premier gros concours, les États-Unis, le pays voisin, avant nous, même si on mettait un bateau pour venir réfugier, mes amis, s'il vous plaît, tout le monde s'appelle là-bas, bon, nous, un petit coup de main, pas quitter les munitions entrer dans le pays, pas quitter les armes entrer dans le pays. Sous bloquer route, ou bloquer circulation, ou bloquer trafic d'armes, trafic munitions, ou résoudre le problème, non, on est capable de dire, à 60%. Pourquoi ça me dit 60%? Parce que le problème n'est pas seulement insécurité, les précarités, tout. Problème grand groupe, problème chômage, etc. Et qui crée un bien général d'instabilité chronique qui a déstabilisé le pays depuis le fait. Evans Paul, où sont-ils évoqués là? Difficultés qui gagnent à savoir est-ce que c'est. Ministre qui pral nommer supérieur yo, ok, et ou aller tout dans difficulté que pral gagner pour 7 ou 9 moun sa yo en temps yo les prend en décision. Même avec Mando comme monde qui a expérience dans politique là, comment vous pensez nous ta sorti de situation ça? Parce que là nous pas qu'a dit que nous dans constitution, ouais, mais tout le monde croit que nous ta supposé ensemble décision qu'a prend yo nous plus proche constitution que possible, même le c'est l'elle bon pour yo d'accord, l'elle pas bon pour yo pas bon, yo pas d'accord. Donc dans deux cas ça, comment on ka sorti qui meilleure formule là? Bon, normalement nous formule proclamation, c'est la bonne situation politique et puis on fait des considérations qui dit que ou pas qu'à résoudre les en fonction de référence constitutionnelle là. Laisse avoir baillement si c'est même bagaille qui passé avec madame Dominique Dupuya, ou pas capable d'évoquer question faut gagner 35 ans pour président puisque constitution tout pas prévoir faut gagner 7 à 9 monde dans présidence là. Alors maintenant son proclamation pour faire. Mais c'est proclamation on va ramasser, ça veut dire son coup d'état. Bon, proclamation pas forcément coup d'état. Proclamation c'est une formule, c'est une disposition politique qui justifié par une situation déterminée. Proclamation qu'on fait suite à un coup d'État. Par exemple, après le départ de Jean-Claude Duvalier, CNGA a fait une proclamation, c'est-à-dire qu'il y avait un discours proclamatoire qui dit, bon, vu, il prend telle décision. Et les SAA, les hors normes, ils vivent une situation spéciale. Alors c'est dans ça nous y est là. Maintenant qu'on y est, dans la proclamation, tout, il faut nous connaître qui s'en a privilégié. Premier, ça pour nous privilégier, c'est la sécurité. Sécurité à passer, pas bloquer pour nous suspendre dans le pays. Deuxième bagaille, même pas le deuxième, non, il faut obliger, on a pris l'autre. Question précarité, pas qu'il y a aujourd'hui qui n'ont couru, qui n'ont caché, pas qu'il y a 5 ans pour manger, etc. Et même dans la question quartier populaire, il y a des gens qui pensent que c'est l'armée pour venir pour résoudre le problème bandit. Ou retirer les bandits, c'est un autre bandit qui vient encore. Parce que ou bon bon quartier, qui bon bon monde, bon jeune garçon, qui ne peut vivre, qui pas l'école, qui ne peut travailler, et puis qui a mauvais bagaille absurde, mauvaise idée absurde, et puis qui a fait de mauvaises actions, qui compte même pour tête. L'entendez par exemple des jeunes garçons, au nom de quel principe, de quelle bataille, autant de attaquer l'hôpital. Il n'y a pas attaqué, il n'y a pas attaqué l'aéroport, il y a isolé le pays, il y a pays à pas produire. Il y a pris le même corps qui volent dans le kidnapping. Il va prendre manger pour acheter avec lui. Mais il n'y a pas comprendre tout ça. Qui va je dire, il y a plusieurs aspects pour nous considérer. Et l'aspect principal, c'est l'établissement de l'autorité de l'État. Et c'est l'État, quel que soit son fait, le conseil présidentiel, nous même on a plus d'autres. Qu'on va le mettre 9 mois ensemble, je dis à le faire pays à avancer. Normalement, pas de problème avec aucun individu. Aussi, il n'y a aucun compatriote, parce qu'en général, l'autre des individus, c'est bonjour maintenant, mais il y a un.
retirer mon individu, mettre compatriote. Mm-hmm. Et nous ne pouvons pas mettre une bonne foi, compatriote, mais aussi cité qui pour nous conseil. Ce n'est pas la question. Hein. La question, c'est l'efficacité de tel conseil. Comment on peut avancer, comment on peut fonctionner. Contradiction pour gagner. Négociation pour faire à chaque monde. Pour nous, mon directeur général, pour nous, mon ministre, pour prendre décision, pour faire un budget. Et alors que nous, en crise, nous avons besoin opérationnel. La politique, la démocratie, les marchés par délégation, tout peuple n'a pas qu'à agir, mais il faut faire délégation fonctionnelle, délégation logique, quel que soit gros ou machinier, que son petit voiture, 4 cylindres, que c'est un trailer, son grand chauffeur qui mène. Alors, où qui ça a ici? Et je dis à 27 000 km², il faut que 9 personnes qui sont président. Nous avons fait expérience déjà en 1956. Le gouvernement n'a pas dit un mois. Ça a été le gouvernement collégial. Nous n'avons pas qu'à tourner dans le bagage encore. Moi-même, j'ai un pile doute. J'ai un pile doute que former ça. Probablement, j'aurais qui bataille, qui difficulté gagne pour former. L'offre formelle. Vous pouvez tomber dans l'autre bataille pour joindre qui monde qui pour présider. L'offre résoudre. Vous pouvez tomber dans l'autre bataille qui monde qui pour premier ministre. L'autre bataille qui monde qui nommer qui ministre. Il y a un ministre régal, il y a un ministre qui moins régal, il y a qui moins fort, moins important, ou ambassade. On parle d'un bon problème personnel qui a résoudre et puis pour le quitter, problème fondamental peuple là, problème insécurité, problème grand goût derrière. Et puis je dis à tout, soit parler de résoudre problème Haïti, il y a un acteur incontournable qui est capable de négocier avec lui. La communauté internationale, en particulier les États-Unis, sur la question de l'insécurité, question que j'aimerais rentrer dans le pays, sur l'autre question fondamentale, tout, parce que nous ne pouvons pas résoudre le problème du pays sans que pas gagner un plan économique, un plan investissement pour nous sortir de la précarité. Solution pas politique strictement, c'est politique d'abord, mais politique au service de l'économie. Pour le bien-être de la collectivité. Et c'est là pour nous mener la question. Moi-même, c'est là que je suis campé. Je ne parle pas en opposition à personne. Même si tu as aimé que nous prenions le son de ce qui passait déjà. Pour qui ça a 220 ans, bah, elle a passé comme ça. Et puis, nous avons fait même erreur, même bagaille là. Même si bataille avec l'ombrage noir. Parce que je dis, on a parlé de pouvoir. De quel pouvoir? Radio Caraïbe a un pouvoir parce que l'elle parlait plusieurs mois. Mais je dis à même Radio Caraïbe qui a des difficultés, bah, constate, même pouvoir ça nous a perdu. Mais maintenant, si vous avez pouvoir, c'est seulement le titre qu'on gagne. Voilà que mon premier ministre est déplacé, même tout le monde va retourner dans le pays. Je dis à mon ministre, il va quand même circuler dans le pays. Demain matin, vous êtes capable de gagner un conseil présidentiel, et puis vous avez des difficultés. Je prends un exemple simple. Il y avait le premier ministre Marc Bazin, qui était premier ministre, et qui était toujours un rôle de premier ministre président. Vous comprenez comment vous évoquez Marc Bazin? Marc Bazin était premier ministre, il était siégé dans le palais national. Et puis un matin, l'armée d'Haïti décide de ne pas le chercher. Parce que c'est l'armée d'Haïti qui peut aller scotter. L'armée d'Haïti n'est pas le chercher et puis c'était la fin. Puis c'est pour nous suspendre en mode de comportement. Ça, c'est même pas écrivé le père Ariel Henry. Les partis ont fermé le dehors. Demain matin, n'importe qui m'amène dans le conseil présidentiel. Là, il n'y a pas de déplacer, ils ont fermé le dehors tout. Parce que nous pas respecté principe, nous pas gagné à faire pour l'État. Et l'État n'a pas connecté toute la population. Je dis à nous besoin de l'État, des mouns qui pourraient reconstituer l'autorité de l'État, qui viennent faire un l'État au service du peuple. Je dis à peuple à pas comprendre ça que l'État. Ils confondent l'État avec le gouvernement. Ils confondent l'État avec l'individu. Qui fait nous une crise, une crise qui est extrêmement grave. Nous entendons des commentaires nous faire. Et il faut nous faire chaque matin pour nous bailler une nouvelle. Son gros bagaille. Mais nous avons une gros crise. Mais même ça m'attendait là. Ça m'attendait qu'à passer là. Je ne sais pas, il n'y a aucun signe de solution qui répond à l'aggravation, à la gravité de la situation. Pour qu'on peuple qui nous a boire, qu'on bon monde qui attendait nous là, qui va un côté plus de mais qui n'a pas manger pour manger, qui a caché dans la rage, etc. Il faut qu'on bagaille qui fait. International, pas sous bon, il a passé de notre intérêt, il a dégradé nous de Nations Unies, l'OEA, de l'OEA à CARICOM, il a pas pris nous au sérieux jusqu'à ce qu'il disparaisse nous sous radar d'information internationale.
PM Paul, quitte nous mandou ça très rapidement. Il y a des gens qui croient que Jodia et Sanab Vivla li rivé à cause tout simplement vide institutionnel et constitutionnel qui gagne dans le pays. Et pour justifier vite ça, moun yo accusé un ensemble de dirigeants par le passé qui te gagne des responsabilités pour te prendre des dispositions, notamment organiser des élections dans le pays à temps qui vous te permettre une série de institutions qui pour te rester campé et qui t'après rempli fonctionne comme ça. Donc, par exemple, yo dit on dit te gagne un parlement qui fonctionnel qui était sous pied, qui était là. C'est certain là Jovenel Moïse te fin mouri. Yo t'ap connait qui sa solution à tapier. Si avant te gagne des dispositions pour permettre une série de institutions constitution prévoit qui était là, donc un ensemble de solutions nous t'ap chercher jodia, nous pas besoin nan tâtonner. Donc nous tout d'accord que c'est parce que pas gagne institution qui fait jodia et nous dans toute kachouboumbe nouye là. C'est ça qui fait que des acteurs qui croient que si nous avons et aller vers une approche qui est plus ou moins institutionnelle et constitutionnelle, donc nous devons pencher vers la Cour de cassation. Donc même s'il n'est pas prévu dans la Constitution, mais comme c'est celle graine et institution symbole la justice, là, je vous dis que nous avons considéré comme pire instance qui existait. Donc nous pensons que ça était capable de bonne formule en lieu place de conseil présidentiel. Problématique, ça n'a pas l'air. Est-ce que vous-même commencez pour le ministre ou David? Bon, nous avons cherché une solution parce que c'est difficile, je dis, pour camper des constitutions, pour ne pas l'appliquer, puisque nous avons une grave crise sociétale, là, tout le bagage est éclaté. Mais il faut faire un bagage qui pratique. Au moins, il y a une référence historique de l'utilisation de la Cour de cassation. Ce qui paraît plus logique parce qu'on peut agir par délégation. Et puis, il a parlé de la Constitution de 1987, il y a un qui a amendé, il y a un qui n'a pas amendé. Parce que le pays a deux langues officielles. Il y a une langue officielle française, il y a une langue officielle créole. Qui fait ça, son autre conflit. Nous avons un conflit, c'est sa crise sociétale là. Qui fait, si je dis à moi, je voulais râler la Constitution 87, là, je suis prêt créole là. Si je suis prêt créole là, je ne dis pas la Constitution 87 là, parce que créole là, son langue officielle, même gens avec français. Alors maintenant, la Cour de cassation est capable de permettre une formule pour n'agir par délégation. Parce que c'est la formule. Il faut que une formule qui on va mettre tous les citoyens, on mette on 12 millions de monde ensemble pour dire délégons les gens parmi eux, il faut un mécanisme. Mais c'est ça qui est le problème. Non, je dis, par exemple, l'on prend cette formation politique, mais cette entité, ou d'ici eux-mêmes qui fait conseil présidentiel, on prend 9. Mais il y a l'autre est capable de dire qui ça fait ces 7 ça, ces 9 ça, même pas là dans tout. Et puis qu'on est capable de faire une contestation, pas jamais fini à l'intérieur des secteurs. On est capable de contester pour ces deux qui fait tel monde par rapport à tel autre. Ou pour gagner, en plus de la crise politique, en crise de légitimité. Et là, il y a une crise de légitimité, il y a une bonne autorité qui va gagner force pour prendre décision dans une situation quand on a l'État qui est faible, qui demande une décision pratique qui doit prendre pour renforcer des institutions, je dis, fondamentales pour faire face à la réalité. La première institution que nous voulons garder, c'est la police là. Parce que la police n'a pas qu'à quitter pour écraser les policiers, y a mal payé. C'est eux-mêmes qui dernier ressort. Il faut nous connaître comment a traité la police là, au niveau budgétaire, etc., au niveau de gens traités, et puis au niveau de fonctionnement et tout. C'est très difficile pour un policier qui était sorti dans le centre, et puis 5 ans, 10 ans après, il n'était jamais fait un exercice physique. Ça veut dire que l'organe d'un policier après 3-4 ans, même s'il est dans la rue. Ou un bon problème, gen jan la touche, il bagay motivation, puis faut partir dans Biden, etc. Ou un autre problème, côté souveraineté nationale là. Ou un l'armée, et puis un pays dit pas reconnaître l'armée ça. Ou l'armée a li reconnaître par la constitution, pays a dit reconnaître gouvernement lui-même dit fait l'armée a pas caché des armes. Ou l'armée a li gen ti crash plus précis, je dis, que la police. La bonne raison c'est parce que l'armée a gagné 30 ans pas opérationnel, ça veut dire pas gagné contentieux avec la nouvelle génération. Qui fait aujourd'hui, l'armée a un rôle qui a joué. Tout est divisé en deux.
les infrastructures d'un capital fondamental, port, aéroport, etc., voie terrestre, où tu es capable de mettre l'armée à occuper de yo, palais national, etc. Et puis l'autre question, l'autre public là. Parce que faut qu'il y ait une vision comment on a résoudre le problème sécurité. Il y a un aspect sécurité nationale, il y a un aspect sécurité publique. L'armée pour s'occuper de la sécurité nationale et la police pour s'occuper de la sécurité publique. Nous pas qu'à laguer toute bagaille sous dos police là. Pourquoi on pas équipé pour ça, deuxièmement, on pas entraîné pour ça. Quitter l'armée à jouer au lit, c'est vrai que mon l'armée a été fait par équipe. Moi même des victimes de monde qui dans l'armée, mais c'est pas mettre bagaille sous bagaille personnel, sous bagaille monde. L'armée c'est une institution qui bail pays indépendant. C'est depuis des salines deuxième bagaille qu'on l'armée, il pas reconnaître il pas cacher les armes, son l'armée bout bâton, l'armée chef section. Nous pas cap gérer un pays comme ça. Pays a fallu une force pour le défendre tête lui. Alors, c'est dans ce sens-là, ma question. Evans Paul, tout à l'heure, où tu évoqué question coup d'État et où tu as même parlé possibilité pour ta gagner en proclamation par rapport avec ti point de discorde qui gagne sous question, c'est Ariel Henry et ministre qui t'a dû signer arrêté pour nommer, pour installer. Et conseil là. Et il y a un monde qui a suivi là, pas de moins des observateurs et avisés, qui croient que je dis, si c'est ton coup d'État, et instigateur, yo même, yo t'a dû automatiquement prendre pouvoir, ou bien yo t'a dû choisir un monde, ok, pour bailler pouvoir. Mais dans le cas ça, on t'a d'accord, exceptionnellement, c'est un coup d'État, donc yo estimé que l'État est inconcevable pour un monde pas t'a pointé du doigt à accusateurs étrangers, notamment les États-Unis et d'Amérique. Et pour parler de proclamation, je dis c'est l'armée qui a pris les commandes et je dis qu'il n'y a pas de moyens politiques. Maintenant, pour proclamation, ça n'a pas parlé, est-ce que c'est le directeur général de la police nationale d'Haïti, puisque c'est lui qui était campé là comme principale force légale sur le territoire, ou bien c'est Nega Xamio, leader au niveau de coalition Vivre Ensemble? Expliquez-nous schéma ça. Bon, il y a plusieurs aspects. Maintenant, nous connaissons des gens qui parlent, mais beaucoup d'États. Il y a des gens qui sont capables de coup d'État, comme si c'était des âmes tuées, il y a des coup d'État classiques. C'est-à-dire que un coup d'État technique. Et l'offre, mon premier ministre, de ne pas entrer son forme de coup d'État. Qui est-ce qui ferme le dehors? Qui est-ce qui empêche de l'entrée? Pendant l'année, la venue tel pays dit, nous pas accepter l'avion de descendre la carte. Nous mettons l'autre pays à nous, pas qu'à déplacer qu'on y a. Et puis, ouais, aéroport attaqué, problème, aéroport faible. Bon, on a pourquoi le ministre n'a pas entré, puis tout fermé, tout l'autre haïtien dehors, tout haïtien qui a voulu partir en dedans. C'est sous forme de coup d'État. Qui implication il y a là-dedans. Maintenant, c'est une question de si M. Ariel Henry est bon, s'il n'est pas bon. Regardez, ça m'a parlé, non? On a parlé du principe fondamental. Il y a deux bagailles, pas de coup d'État, deux bagailles en exil. Personne n'a pas en exil. Nous mettons d'accord sur ça. En 1987, nous faisons constitution. Si on a un grand problème, il y a jugé dans le pays, la preuve qu'ils ont dans le pays. Mais exil par là-dedans, coup d'État par là-dedans. Et puis nous continuons à faire comme coup d'État nous fait de 1987 à nos jours. Monsieur Aristide, pour qu'on parle pendant deux, il fait deux cabesses. On ne va pas besoin de citer l'autre. Bon, maintenant qu'on y est, au-delà de ça, il y a un problème l'État. Problème l'État, comment pour nous être si capable de sauver la face? Sauver la face. Je vous dis, il faut que premièrement nous mettions d'accord sur une vision. C'est-à-dire, quelle est la mission de ce gouvernement? Parce que c'est le plus gros problème, non? C'est que moi, l'on est un bon job chauffeur, même pas du côté de ma voie. On mettait 9 mounes ou bien 17 mounes, et puis on n'a pas une mission, on n'a pas une feuille de route. C'est quoi la tête de mission? Quelle est la mission de ce gouvernement de transition, etc.? Est-ce que c'est mission faire élection? Ou pas capable de faire élection seulement? Il faut créer conditions faire élection. Ou pas capable de gouvernement pas occuper de questions peuple dans la rue? Il faut que la caillou, il faut que manger, un environnement pour créer. Quel est, on est capable de dire, le mandat, le délai de cette transition? Tout ça flou. L'homme va arriver, il y a 7 ou 9 personnes qui pourraient décider ça. Il y a peut-être un mandat de 5 ans tout. Parce que c'est tout ça qui est pour faire dans le pays. Alors moi, je pense que la première étape qui a dû faire là, vous voulez un gouvernement, intérimaire, sous carré comme ça, un gouvernement de transition, bah, on est qui dans le cabalé, le gouvernement présidé par le premier ministre Ariel Henry en exil et le premier ministre par intérim, M. Boisvert. Bon,
parce que nous-mêmes, vous connaissez pas, c'est pas à peine faire bailler, nous gagnons l'autre bord, parce que jusqu'à présent, M. Ariel Henry va pas être démission. Ils font un discours, pas être démission. M. Boisvert là pour l'assurer intérimat, pour le prendre direction pays. L'État, par exemple, invite toujours un monde quelconque qui est là-dedans, qui est responsable. Et bien que le monde répond de responsabilité, yo. Un, pour adresser le problème de sécurité, ya. Deux, pour nous résoudre le problème impasse politique là, non pas qu'à la gueule, non, mais CARICOM pas contre pays, CARICOM pas une autorité pour ça. C'est une honte nationale. Ça empêche tout Haïti de chuter ensemble. Je dis tout Haïti de chuter ensemble. En forme, bon, monde qui vient à voir au chapitre, monde qui sentit concerné. Mais maintenant, s'il faut faire une négociation, son négociation qui doit, qui gagne pour le réunir au moins trois entités. Entités politiques, dans diversité, entité sociale, ça veut dire les sociétés civiles là, moun qui dans l'église, moun qui dans les affaires, et l'entité internationale. Nous ne pas capable de prendre pause comme si nous international là, pas dans le conflit, il fait partie de conflit. Il prend une bonne décision pendant 30 ans, sous l'emprise qui s'est à marché, sous l'emprise internationale. S'il y a un échec, la responsabilité, c'est d'abord nous autres haïtiens. Mais quand même, il y a plus de temps de présence internationale qui coûtait des milliards de dollars sans résultat. Qui bon s'organ là, on police dysfonctionnelle, on l'a mis pas reconnaître, on peut qui aux abois. C'est dans ça nous y est. Mais maintenant, il faut prendre conscience tout. Comment on a pris tout ça, mais il faut passer en phase, on est capable de coller morceau, de coller pièce en phase de négociation. Donc, l'objectif principal, je veux dire, ce n'est pas qui est sans mettre sous pouvoir, c'est comment on a établi l'autorité de l'État, ce que M. Préval a dit depuis 1987. Evans Paul, n'a pas fini, même envie, Mado, et fini avec question. Ça, instabilité politique chronique qui existait en Haïti depuis le drame Pont-Rouge-là, quand elle est sortie, qui s'est banonné? Il commençait longtemps, il commençait depuis l'assassinat de Dessalines. Et notre troisième anniversaire indépendance pays, le 1er janvier 1807, c'est une bataille qui était cyber pour pouvoir. Là, on finit tout des salines, on n'a pas entendu entre eux. Ou gagne Christophe Carpentier pour venir prendre pouvoir à Boïsie. Et puis Pétion Campé, bataille faite, pays, petit bout de pays, ça a été divisé en deux, divisé en trois. Et puis ma même bagaille a continué sous la même forme. Non? Moi, je pensais que j'ai conscience qui pour prendre. Pour nous mettre d'accord sur le principe de gestion pays, hein? Et puis sur le mécanisme. Le principe là, c'est le mécanisme, là, c'est la gestion par délégation, pouvoir politique géré par délégation. Ma présence aux États-Unis, quel que soit Jean Bagayel a passé, eh bien, il y a un mécanisme qui fait que bon monde qui gère le pouvoir pendant 4 ans, que un monde qui gagne un peu de monde, un peu de monde par email, mais il y a d'accord, monde ça mène le pays pendant 4 ans. La République dominicaine, en 1960, était dans le même niveau avec Haïti. Ils prennent une partie qui est net à partir de 1994, après grave crise qui était gagnée dans l'élection entre Peña Gomez et Joaquin Balaguer. Ils fait une entente politique depuis le ça, chaque 4 ans, gagné l'alternance politique, créer la stabilité. Et à partir de la stabilité politique, ils ont attiré investissement américain, investissement russe, investissement canadien, etc. Haïti zéro investissement international à part la digicelle. Démocratie, il n'y a pas marché sans cob, il n'y a pas marché sans job, il n'y a pas marché sans économie. Il y a l'autre gens qui ne veulent pas y aller. Il n'y a pas marché tout sans mounio, sans éducation, sans confiance dans le pays. Maintenant, je vais parler de rien pays. Mais jeune moun ki kounya, yo pa carré mon pays qui est fatra, un pays moun pa respecté, mon pays moun a touye moun. Pour créer ambiance patriotique qui pour faire remer pays. Pour mettre en condition pour remer pays. Je pense que c'est ça qui t'a doué motivation. Maintenant, ma proposition c'est pour chercher formule qui ka marché. Moi même question et conseil présidentiel là, m'pa gagne personne qui la donne. C'est des personnalités que me respecter. Mais il est clair que l'IPAP a marché, l'IPAP a des résultats, pour plusieurs raisons, il n'y a pas de base légale, et puis nous avons une crise, c'est conflit qui a déplacé, c'est retirer le conflit à un côté, mettre de l'autre côté, nous ne pouvons pas créer une ambiance vraiment qui pour faire pays avancer. Il faut en faire avec un monde, mettons un monde président provisoire pour un temps avec un mandat
clair qui nous met un premier ministre qui pour agir. Faut que nous apprenions qu'on est démocratie marcher fonctionner par délégation. On apprend déléguer, nous nous déléguer, nous connaît, nous responsabiliser. S'il pas fait travail, nous prenons sanction contre. Mais c'est pas là de mettre 7, 8, 9, 10, 20 moun qui fait la gala marché. Nous faisons expérience comme ça déjà, il n'y a pas de résultat. Voilà, nous avons parlé Mathieu avec ex-premier ministre Evans Paul. Avec nous avons essayé et commenter l'actualité. Ah, merci en pile Evans Paul parce que vous êtes disponible pour Radio Télévision Caraïbes. Nous espérons reparler dans une prochaine occasion. Merci en pile pour effort à faire et m'a dit haïtien yo pas décourager Haïti, c'est pour nous en continuer chercher formule, nous tous concernés, nous tous ces haïtiens, nous tous qu'à fonger fort pour situation en change. Merci en pile, bonne journée. Evans Paul dit et Kaplim guerrier sans transition là, nous t'a dû parler avec yon responsable petite Desalegno après bien sûr intervention père Amos Georges qui l'a même annoncé comme responsable éthique au niveau de partia l'état prend initiative et bien pour envisager des sanctions à l'encontre de l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles et même d'après une décision jusqu'à ce que gagne un congrès qui organise en partia pour sénateur lui-même n'est pas prendre la parole au nom de partia. Donc est-ce que c'est yon entente yo joindre au niveau du directoire et comment et reste membre dans directoire même yo wè yon décision comme ça yon sorti médiatique comme ça de Père Amos Georges. Nous gain avec nous soulignant Gué Verlien lui-même lycée membre directoire et c'est lui-même tout qui signé pour directoire dans lettre qui a joindre CARICOM pour te désigner maître Emmanuel Vertilaire comme représentant officiel de Petite Dessalines au sein du conseil présidentiel. Gué Verlien, bonjour, nous comptons recevoir Mathieu dans l'espace là. Bonjour guerrier et merci pour et opportunité nous accorder matin comme prend la parole après intervention et à mon Georges là. Même Jean Aknon ou t'étendé et sorti Père Amos Georges là. D'ailleurs depuis week-end tu as une voix qui dehors côté qui a été annoncé il y a des sanctions qui prend contre sénateur Moïse Jean-Charles et non en parti politique là et au s'étendé le matin là en substance qui ça réaction reste membre directoire yoyé autrement dit comment reste membre dans directoire yoyé et sorti Père Amos Georges là. Et avant de commencer, je salue tous les partis politiques Petit Dessalines. Et je salue d'une façon spéciale le secrétaire général parti, hein, c'est le sénateur Moïse Jean-Charles, qui, dans le moment, est concentré sur réflexion et sur ça que nous avons pour nous faire pour parti, hein, pour nous aller vers l'avant. Et après, l'élection 2015, Père Amos Georges, effectivement, il a une élection avec son père que nous avons pile estime et pile respect pour lui. Et son père qui a fougué, très fougué, c'est un monde que partisan toujours compte sur lui. Mais, dans le dernier moment, le sénateur, le secrétaire général, il fait plusieurs convocations avec quatre partisans. Sous cas Père Amos Georges. Parce que Père Amos Georges, nous te connaissons. Père Amos Georges, pour Fougli, nous te connaissons. Nous, ouais, Père Amos Georges, il y a un petit problème au niveau mémoire. Par rapport avec un pléiade de plainte, côté Kevin jeune sénateur, et ça vient de dire que le sénateur a tout où elle bien dit, il était bien précisé, il y a plus qu'un an, il y a un an depuis qu'il a parlé avec le sénateur. Mais le sénateur, comme personne morale, les plaintes privées, lui-même malgré les convoqués, parti en plusieurs fois, pour qu'il travaille sous cas Père Amos Georges, pour qu'il garde dans une mesure que le tapoté accompagnement pour lui. Parce que Père Amos, que nous déconnaissons, il n'a pas pensé tout Père Amos. Et c'est Père Amos qui parle à terre. Mais comme vous connaissez, ça a toujours dit, l'heure où il y a un problème, il y a toujours vu sur ça, c'est lui-même qui vous voyez devant.
Et comme nous te dit, petite Dessalines, ils sont force. Il va vous y voir sur mon goût vert, c'est sur mon goût mieux, vous y voir. On va regarder petite Dessalines de l'arrivée, même dans CPA, on va regarder comment donner ou changer. Il fait toute captation. Il dit qu'une bague de droit du vote. Il n'y a pas de bagaille. Mais ça montre que ça montre force parti politique de des amis. Et maintenant, nous comprenons qu'il y a toujours passé pour utiliser la réponse par rapport au problème. Il y a fait une déclaration pareille. Mais nous ne connaissons pas Père Amor Georges. Ça veut dire décision qui prend là et pas Kembe, son décision père pour contre lui. C'est décision, bon, c'est pas, pour moi-même, c'est pas décision père. Père, c'est peut-être des mondes, nous ne connaissons pas, peut-être qu'on peut utiliser père, parce que ouais, père a un bon problème. Il est passé pour mettre le devant, mais et nous-mêmes, nous connaissons qui est monde qui père à mon juge, c'est ça qui fait nous pas bailler intervention non et trop importance. Qui ça gagne ou dit il gagne peut-être problème. Oui parce que dans dernière année nous recevons en pile plainte parce que terre a qu'on déconnait et si ça fait et ça préoccupé et secrétaire général Patien lui convoque il fait plusieurs convocations sur ça pour regarder dans qui mesure que nous ca accompagner terre. Donc, vous êtes au niveau de Petite Dessalines, donc ça, Père Amos dit là, il était déjà peut-être dit à de l'autre monde dans le week-end. Non. Donc, pas engagé. Et Petite Dessalines, encore moins directeur à Petite Dessalines. Non. Et ça, Père Amos dit, peut-être avec le monde que lui parle, c'est des bagages qui peut-être qui engagé. Hein? Parce que, il y a une précision que nous voulons mettre, un point que nous voulons mettre. Et il a parlé tout de plateforme et il a parlé de parti politique Petite Dessalines. La plateforme a été faite et dans un moment conjoncturel. Et après l'élection, la plateforme est tombée. Et par contre, ça a arrivé, l'élection, la plateforme est reconstituée. Mais maintenant, c'est le parti politique Petite Dessalines. Et peut-être ça a arrivé, il y a un peut-être qui blié. Et dans qui conjoncture que vous avez créé la plateforme, vous avez toujours pensé pour vous-même la plateforme, toujours maintenu. Et c'est ça que m'a dit, il y a des gens qui utilisent le PA, qui utilisent le moment PA en difficulté, hein, pour vous mettre le devant, mais pour le frapper sur le secrétaire général, là, mais nous-mêmes, ça n'est pas engagé. Les décisions PA prennent avec l'équipe. C'est mon papier médical. Qui dit que père a pas fini beaucoup de job. Ben, dis moi, oui, est-ce que père t'a parti? Oui. Et il y a parce que et raison qui fait que nous dit ça parce que côté père a dirigé, il y a un pléiade de plainte qui toujours venu un secrétaire général là. Et secrétaire général là prend en charge, prend ça en charge. Et après d'où il y a un an il va parler avec le secrétaire général. Et pour qui ça vous êtes dans Batia? Pardon? Et pour qui ça vous êtes dans Batia? Non, Père Amos, les fait partie de plateforme politique de Dessalines. Après, il est bien précisé pour Martin en intervention là. Il est bien précisé, les deux gagnent et plateforme là qui s'est aidé. Il y a un parti politique là, les deux gagnent trois pieds là-dedans. Ça veut dire plateforme là, Père Amos, c'est toujours là-dedans. Et son père que nous connaissons dans pile appréciation pour Fougli et le père à moi, Georges, que nous connaissons, matin, on n'a pas cru que c'était à moi, Georges, qui parle. C'est ça que fait nous. Qui côté nous avons une convocation à l'extraordinaire pour nous garder, pour nous étrancher, puis rapide, pour nous accompagner, père. Ok. Qui côté père à moi, Georges, est responsable de la question éthique et morale là? Dans la plateforme Petite Dessalines ou bien dans la partie politique Petite Dessalines? Pardon? Qui côté Père Amos Georges lui-même était responsable des questions éthiques, questions morales dans le directoire là? Est-ce que c'est au niveau de la plateforme Petite Dessalines qu'on s'est expliqué là, qui c'est une alliance conjoncturelle pour dans l'élection, ou bien dans le parti politique Petite Dessalines? Dans la plateforme. La plateforme non? Exact. Donc la plateforme n'a pas existé encore, donc cela sous-entend que Père Amos n'est pas responsable et questions éthiques, morales, la parlé, hein? Vrai?
Non. Okay. Et si vous regardez, vous avez un volume d'attaque qui a venu, c'est sous le secrétaire général là, qui a venu. Pendant ce temps, vous avez c'est directeur parti avec une organisation qui est matrice parti, vous avez c'est nous signer un document. Vous avez nous signer un document et le secrétaire général là, il n'a pas d'autre qu'à faire autrement qu'accompagner le document. Parce que il y a une bagarre que n'a pas tenu des précisions et le secrétaire général là, il n'est pas parti politique de Dessalines, ils sont messagers, ils sont porte-parole et grand parti qui campe derrière et c'est parti qui met elle. C'est organisation, c'est cadre de parti qui met elle qui fait le secrétaire général de Dessalines. Mais leur grande décision qu'a prend, l'île pas qu'a prendre de façon personnelle. Et là on regarde c'est directeur parti et avec organisation qui signe le document. Mais pour qui ça, dans le moment, c'est le secrétaire général parti. Hein? Pour qui ça, c'est lui-même qui cite tout le monde. Bon, c'est lui-même qui figure et emblématique parti, et c'est lui-même qui toujours porte parole parti. En attendant que Moïse Jean-Charles lui-même t'a fait une apparition là, ou bien t'a fait une sortie médiatique là, peut-être la République a pas une chance de se poser la question sur le choix et petite Dessalines fait pour le faire revirement ça. Il y a un revirement que le monde juge spectaculaire. Bon, tout le monde ça ou même. Monsieur Guéverlien, comme membre du directoire de Petite Dessalines, est-ce que nous avons une explication sur le fait que dans un premier temps, Petite Dessalines était opposé catégoriquement, était refusé catégoriquement pour participer dans le conseil-là et après, elle t'a ravisé et puis elle est d'accord intégrer le conseil-là et un conseil qui était très critique vis-à-vis de lui. Est-ce que nous avons une parole ou capable de dire maintenant qui pour convaincre mon yo sous choix ça de Petite Dessalines et moi te voulu faire point ça matin si strictement sous en date après intervention de mon joueur hein? Mais nous réservons le droit pour nous beaucoup parler sous question et médiatique et question virement qu'a parlé n'a pas accordé ça pour nous pas intervenir sous le matin. Merci à Pil Guéverlien. N'a pas rappelé aussi membre directoire, parti politique. Petite Dessalines, nous t'es content.